You don't just draft procedures, you don't just sit and you start writing and writing and writing. No, you will get people lost. Il faut être spécifique, il faut être concis, il faut aller droit au but dans l'idée de la procédure et qu'est-ce qui a entraîné la rédaction de cette procédure. Il y a toujours des versions, il peut y avoir 1000 versions de la même procédure. Plus on identifie des possibilités des crimes procédures, plus on en produit. So, you have to think about the implementation. How is this policy going to be implemented? You write the effective dates. Okay, this policy is to be taken into consideration as from. Afin que nul n'en ignore. Vous pouvez sortir une procédure aujourd'hui. Quelqu'un vous dit que c'est hier que j'ai vu la procédure là. Ou bien, la procédure sort aujourd'hui, quelqu'un enfreint la procédure le lendemain. Saying that he didn't know. No. Okay? That date is very important. If you want to punish somebody for not respecting the procedure, it is very important for that person to have seen the date on that procedure. And once the procedure is released, everybody deserves a copy. To even go home, sit and study. Because when we hire people, when they sign their contract, we give them the internal rules and regulations of the company. They have to sit and study and read and really understand. We give them rooms for questions. And sometimes we have meetings. When we have some coordination meetings, we come back to some aspects of the procedures that people did not understand. And we really elaborate on them. Because everybody has to fix the procedure in the mind. Donc à chaque fois, on donne, une fois que la procédure est diffusée, on donne un certain temps pour que les gens comprennent et qu'ils posent des questions. Et qu'on réponde à leurs questions, qu'on adresse les difficultés qu'ils rencontrent dans la mise en œuvre de cette procédure afin que nul ne soit ignorant de la loi. Because if it is proven that the person really did not know, the manager is accountable. Okay? Donc le chef d'entreprise est responsable quand le staff dit et a raison qu'il n'était pas au courant de la procédure. For example, you recruit a new person. Vous recrutez une nouvelle personne dans votre entreprise. Vous lui donnez son contrat et pas ça va travailler. C'est très facile que la personne fasse ce qu'elle veut. Parce que vous ne lui avez pas donné ce qu'il faut. L'un des pièges de la procédure, c'est le bouche à oreille. Non, God, this is the way we do things here. No, don't do that like that. We do it this way, we do it this way. No. Give documentation to the people,